Destination Francophonie vous emmène à Madagascar. Bonjour et bienvenue dans la Grande Île ou encore l'Île Rouge. Madagascar a de très nombreux surnoms et il en faudrait encore beaucoup d'autres pour qualifier ce pays aux multiples visages. Des visages, des voix, des sourires, ce sont d'ailleurs ceux des Malgaches qui vont vous faire découvrir leur pays, leur culture et leurs traditions et tout cela en français. Pour la première étape de notre voyage, je vous emmène dans les rues d'Antananarivo, la capitale. On l'appelle ici tout simplement Tana. J'ai rendez-vous avec une personnalité francophone connue dans tout le pays. Il est slameur et il s'appelle Gad Ben Salem. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un voyage en francophonie à Madagascar. Salut Gad. Salut Yvan, ça va? Et je suis ravi de te rencontrer. Pareil. Puis tu m'accueilles sur les hauteurs de Tana, dans la haute ville. Ouais, la haute ville, on prend un peu de la hauteur. Nous, on continue de l'appeler la haute. La haute, en bon malgache, la haute. Ici, c'est un peu le cœur de la ville, là où les gens se rencontrent, là où les jeunes passent. Voilà, c'est l'endroit de Tana où on peut flâner tranquillement un après-midi, quoi. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette ville de Tana? Bah d'abord, ça représente une source d'inspiration. Tana, c'est une ville qui m'inspire beaucoup. C'est une matière à création, presque. C'est aussi le décor choisi souvent pour mes pièces, mes slam poésie. C'est une ville que tu aimes? C'est une ville que j'aime, mais c'est une ville aussi... voilà, il y a une espèce un peu de relation amour-haine comme ça, parce que c'est une ville attachante, mais en même temps, on se cogne beaucoup ici. Pourquoi tu dis qu'on se cogne contre Tana? Bah ici, on se cogne contre les gens. Il y a cette proximité, mais cette promiscuité aussi. On se cogne contre une ville où quand même il y a la misère ambiante. Donc si on descend un peu plus bas, là on est en hauteur, on voit ce côté un peu bordélique, mais bordélique organisé quand même. Ouais. Tu as fait plusieurs slams, hein, je sais, sur Tana. Oui. T'en aurais un petit là? Les bus s'alignent, ça sent salive. Le cracheur s'indigne, ouais ça arrive. La gamelle d'un gamin devant ma gueule, je me tais. Je m'attais ailleurs. La peur au ventre, balle au centre. Balle au centre. Tu me fais visiter, Tana? C'est parti. On y va? Ben là, si on descend, là, il y a aussi une petite vue en bas. Ah, d'accord. Mais, on va prendre les escaliers. On va prendre les escaliers. Et les escaliers, ça fait partie des curiosités de la ville aussi. D'accord. Il y en a un qui est célèbre, pas loin, ici, les 400 marches où on fait les 400 coups. Donc on va faire les 400 coups à Tana. C'est parti. Ça va, Zavad, ça va. Waouh! Ça, c'est de la. Ça, tu vois, c'est une ville de sportif. 44, 45, 47, 48, 49, 50, c'est bon! Wow! Bravo! Bravo, les sportifs! Ah, salut! Ouais, donc c'est sportif, hein? Ouais, la ville est à nos pieds. Et la ville est à nos pieds! Ouais, mais quand on remonte, on les sent aussi. Quand tu descends dans les pieds aussi, ouais. C'est sûr. Ah ouais, regarde, le stade, il est en plein centre de la ville. Ouais, le stade, l'ancien stade municipal devenu le stade Barea en l'honneur de l'équipe de foot nationale. Ce sont les Barea. Les Barea, c'est ça. Toute une fierté ici. En fait, Tana, c'est une ville de sportifs, mais c'est aussi une ville d'artistes. Ouais, il y a plein d'artistes. L'art ici, on peut le dire, foisonne. Il y a des artistes visuels, des artistes de spectacle vivant, des artistes de rue, des graffitis, il y en a dans la ville, beaucoup aussi. Donc, ouais, on assiste vraiment peut-être aussi à l'émergence d'une jeunesse qui crée à Madagascar et à Tana plus particulièrement, parce que la ville les nourrit d'une certaine manière. Ils sont peu nombreux, mais il y a quand même des lieux alternatifs à Tana. La teinturerie fait partie de ces espaces culturels où existe une vraie mixité sociale. Ici cohabitent une galerie d'art et une salle de concert. Ce lieu, c'est aussi un engagement pour son directeur, Taina.
Et cet endroit-là, c'est vraiment un lieu dédicacé des rencontres des artistes et le public. C'est fait pour ça. Nous, on aime aussi l'interculturalité, c'est-à-dire le mélange des gens, des différents pays, des différentes cultures. Et ça, c'est important aussi pour nous, en tant que Madagascar et Nil, on aime bien s'ouvrir à d'autres mondes, de connaître ce qu'ils ont fait les autres. Et nous, on va proposer quelque chose aussi. C'est pour ça qu'on a créé cet endroit. L'avenir de Madagascar, je pense que c'est la créativité, quoi. On a cette créativité, on a besoin, parce que sans créativité, on ne peut pas réaliser nos rêves aussi. Ce soir, c'est le groupe Croûte Tamboul qui fait chauffer la scène de la Teinturie, le lieu de rendez-vous des artistes de la capitale et d'un public qui fait monter la chaleur d'un cran au cœur de la nuit malgache. On est à un Peflou, un quartier aussi d'artistes. Il y a plein d'artistes qui vivent ici même et qui ont représenté un peu leur Madagascar du futur. Donc là, c'est écrit Manum Ketun Fiouvana, ça veut dire ici commence le changement. Katsi Dzaninsun, ça veut dire ça ne va plus s'arrêter. Et c'est eux-mêmes, hein, ils prennent en main le drapeau et ils ont une vision un peu peut-être utopiste du Madagascar du futur parce qu'ils voulaient changer le Madagascar terre des ancêtres, Taninjazana, en Madagascar terre des enfants, Taninzanaka. Donc, se tourner vers le futur. Ah, un Madagascar d'avenir. Un Madagascar d'avenir, complètement. Ça, c'est de la voiture. J'adore. Très vintage, hein, les voitures. Madagascar, à Madagascar. Quelle est ta relation, toi, avec la langue française ? La langue française, pour moi, c'est vraiment une machine à rêver parce que c'est génial de pouvoir s'approprier une langue comme ça et de pouvoir voyager et la faire voyager aussi. Ces sandales sentent la boue. Sentent la misère, ils se l'avouent, sur les pavés glissants des années 1900. Les charrettes, les ébus, des corps de la ville déchue, les marchés, leurs étals, le doux parfum de nos dalles. Quand on s'approprie une langue, on la fait sienne et on peut aller vers l'autre. Et le français permet ça, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas seulement le français des Français, c'est aussi le français des Haïtiens, des Québécois, des Congolais et des Malgaches. Et ça, pour moi, c'est un outil formidable de pouvoir aller vers l'autre. La langue française, c'est ton outil de travail. Ouais. Tu as écrit, non, des slams sur la langue. Oui, sur peut-être la poésie en général. Ce que dit le poème n'engage que le poète et nulle autre personne. Celui qui sème le vent récolte la tempête ou pire un cyclone. Génial. Merci Gad de m'avoir fait découvrir ce Tana qu'on ne voit pas si souvent. Alternativo Antananarivo. C'est pas mal. C'est pas mal ça, hein, dire ça. Merci à toi. Je te le garde. Merci. À Madagascar, les deux langues officielles sont le malgache et le français. Toutes les deux sont langues de l'administration et langues d'enseignement. Mais le français est surtout la langue de l'emploi, en particulier dans les grandes villes du pays. Pourtant, on estime à 20% le nombre réel de locuteurs francophones à Madagascar. L'école est donc au centre de toutes les attentions des autorités éducatives qui coopèrent avec l'ambassade de France pour une meilleure formation des professeurs de français et pour leur donner dans leurs cours des outils innovants comme des tablettes numériques. J'ai une peine infinie à l'obtenir, tout le monde en veut. Donc c'est à nous, enseignants de français, équipe pédagogique, qui cherche tous les moyens pour qu'ils puissent avoir les ouvrages entre les mains. Et nous trouvons que c'est les tablettes, ce sont les moyens pour nous d'inviter les élèves à aimer la lecture d'abord, à apprécier la langue française avec la culture qui va avec, pour qu'ils puissent aussi se démarquer par rapport aux autres élèves. Les élèves, eux, manifestent un vrai plaisir de lire de la littérature sur ces tablettes.
la littérature m'a permis de m'améliorer en français, surtout l'oral et l'écriture. Quand je lis un livre, je pense que je suis dans un monde de rêve, puisque quand je lis des livres, je le vis vraiment. J'aime la cour de littérature française car ça me permet de bien lire les livres français, de bien parler le français et aussi de communiquer avec les étrangers. Plus tard, j'aimerais bien être une avocate. J'aime bien défendre les gens et je suis un peu bavarde et c'est pour cela que j'ai choisi ce métier pour plus tard. Dans le plus grand lycée du centre de la capitale, le club de français permet aux élèves d'avoir une relation plus décomplexée avec la langue française. L'animateur, Ange, propose à ses élèves d'avoir un rapport direct avec le français via le théâtre. On va commencer la répétition. Tony, tu ne devrais pas tourner le dos au public. Tu dois te mettre toujours du bon côté. Mais c'est la chanson qui remporte tous les suffrages en termes d'enthousiasme pour les activités du club. Bienvenue, je suis Ange, responsable en animation au club de français. Voici mes élèves. Salut! On va faire une chanson, on écrit sur le mur. On écrit sur le mur le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos vers, on dessine tout ce que l'on voudrait. J'aime chanter en français parce que c'est trop cool et ça fait sortir mes sentiments. Et je suis tellement heureuse quand je chante, alors j'aime chanter. Je suis pas comme les autres, moi. J'ai trop vécu, tu peux me bercer, ni me faire rêver. Je suis insomniaque, moi. Je suis trop consciente de tout ce qui bouge et ça me fatigue, mais attends, le slam est aussi un moyen pour ses élèves de dire en français ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Je suis juste cette petite fille, non départée, non dinoyée dans mes mots, mes silences, mes aspirations. J'aime faire du slam parce que ça me remonte le moral. Et j'adore écouter des slams. Voilà. Quand je slam, je me sens que les mots m'emportent voyager. Et il y a une émotion qui se dégage, il y a une tristesse qui s'enlève et tout. Je vais rencontrer trois entrepreneuses, Fitia, Ando et Andri. Elles ont fait leurs études en France et ont décidé de revenir dans leur pays pour créer Poc Poc, une ligne de sacs fait à partir d'un savoir-faire ancestral propre à Madagascar, le travail du raffia. Pour cette collection capsule, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les tressages. Pour découvrir leur univers, André m'a donné rendez-vous tôt le matin dans un lieu connu de tous à Antananarivo. Salut Angiane. Hello. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Tu m'as donné rendez-vous dans le marché. Ouais, le marché de l'artisanat malgache qui est ici depuis des années. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la matière qu'on utilise qui est le raffia. C'est quoi le raffia? Alors, le raffia, c'est une fibre végétale qui provient d'un palmier endémique de Mada. Donc 80% de la production mondiale provient de Madagascar. D'accord. Et c'est avec ça que vous faites? Nos sacs. Vos sacs. En raffia. En raffia. Voilà. Et je vais t'amener donc chez notre fournisseur principal qui travaille avec nous depuis des années. D'accord. Voilà. Let's go.
Anjane, il est très tôt et il y a déjà plein de monde dans le marché. Effectivement. Alors, tu sais, nous, les Malgaches, on est des lève-tôt. D'accord. Alors, le marché artisanal, il ouvre à 4h, 5h du matin. D'accord. Donc, toi, tu es obligé d'être une lève-tôt aussi. Exactement. Dur, dur. Bonjour. Bonjour. Alors donc Monsieur Touz, notre principal fournisseur en raffia naturelle. D'accord. Donc c'est ici que vous vous fournissez pour vos sacs. Exactement. Donc le raffia, il se présente comme ça au départ. C'est ça, exactement. Donc nous, en termes de qualité et en termes de longueur, puisqu'on regarde en fait surtout la longueur aussi du raffia, de la fibre, c'est chez Monsieur Touz qu'on a tous ces critères qui sont bien remplis. Donc en fait le raffia, c'est une fibre qui est utilisée uniquement pour les sacs ? Alors, pas uniquement. En fait, si tu veux, historiquement, le raffia a été utilisé pour les toitures de maisons en bois dans le Nord et a été ensuite diversifié sous diverses formes, en tapis, en sac, voilà. Maintenant, direction l'atelier, puisque M. Tout nous a préparé nos petites bottes d'accord. en raffia. Velou, maintenant, M. Tout. Donc, c'est parti pour l'atelier. C'est parti pour l'atelier. Où tout va être parti. Transformé. Transformé, super. Et on va à l'atelier avec la fameuse 4L. C'est ça, exactement. Les taxis de Tana. Hop là. Allez, c'est parti. Pourquoi vous avez décidé de vous installer dans ce quartier de Tana ? Alors déjà parce que c'est une propriété familiale et puis il se trouve qu'en plus c'est le quartier historique du raffia. Donc on a toutes les ressources dans ce quartier-là, les crocheteuses, le raffia, voilà. Et là on va retrouver ton associé. Fiti, mon associé qui est donc par la même occasion ma cousine. Et il se trouve que c'est une aventure donc familiale et c'est elle qui va donc nous présenter l'atelier. Et on va voir comment se fabriquent vos objets. Exactement. Vos sacs. C'est ça. Ok. Allez, on est arrivé chez toi et le raffia est là. Ok, let's go. Ce qui est bien, c'est que c'est pas lourd. Pas du tout. Le raffia. Ouais. Merci. 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 C'est parti. Par là. Très sympa chez vous. Merci, bah bienvenue. Et voilà Piti. Coucou. Bienvenue à l'atelier. On te ramène du raffia. Du marché. Waouh, bah merci. Enchanté de te rencontrer. Bah oui, pareillement. Je te fais visiter l'atelier. Un grand plaisir. Alors. Bah tu vois, donc ici, tu as le raffia qui est suspendu parce que c'est important en fait qu'il prenne un petit peu l'air et pour éviter d'être enfermé dans une pièce qui prenne l'humidité. Et il est de plein de couleurs alors. On s'inspire des paysages de Madagascar, donc c'est pour ça en fait on a choisi des couleurs un petit peu minérales. Voilà, ça fait un petit peu comme un arc-en-ciel. Et, donc il est teinté. Il est teinté et en fait nos teintes sont labellisées Ecotex, donc ça veut dire non toxique pour l'environnement. Bah, je vais te montrer comment on le travaille. Ouais, d'accord, très bien. Avec les crocheteuses. Voilà, avec les crocheteuses, notre jolie équipe de crocheteuses. Bonjour. Comme tu vois, en fait, elles sont en train de crocheter chaque pièce. Il y a beaucoup de dextérité dans leur travail. C'est vraiment un savoir-faire en fait ancestral dont on a vraiment hérité. Parce que en fait, le raffia, cette fibre végétale, donc nous, on l'utilisait à l'époque pour les habitations. Tu d'accord. Sais. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, c'est le cas de on dire. A fait des paniers, c'est le cas de le dire. Et puis la matière, elle est à la fois souple et résistante. Elle est souple et résistante. Et... Donc un sac, il dure longtemps. Il dure longtemps, normalement. Après, il y a juste une chose qu'il n'aime pas, c'est vraiment la pluie, la l'eau, pluie. Etc. D'accord. Et donc là, tu as les pièces finies. Nous, on est sur vraiment plutôt des sacs. Et là, tu as par exemple les quatre couleurs qu'on a choisies qui font en fait l'arc-en-ciel, oui. Dont je parlais tout à l'heure, puisque Havan veut dire arc-en-ciel et c'est le nom de notre ligne. Et vous exportez partout dans le monde ? Nous, on est distribué en Afrique, notamment à Abidjan, dans certaines régions de la France, tu vois, aux États-Unis, on est à New York aussi, et en fait, voilà. Donc on peut voir à travers la planète des gens se promener avec des sacs 100% Madagascar. C'est ce qu'on espère. Ouais. Super. Je me rends compte que pour ces entrepreneuses, développer l'économie malgache, malgré les conditions difficiles dans lesquelles se trouve le pays, est un engagement. Elles peuvent compter sur des soutiens pour leur entreprise, comme celui de l'ambassade de France.
je décide de rencontrer une autre femme engagée dans un tout autre domaine, l'agriculture. Elle s'appelle Bueng et après des années à travailler dans le marketing, elle a décidé de créer une forêt comestible dans une commune rurale à 15 km d'Antananarivo. Pour découvrir son projet soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, je traverse des paysages étonnants de terre rouge à quelques kilomètres à peine de la capitale. Bonjour Bueng. Salut Yvan. Ça va? Oui, très bien, je te remercie. C'est très très beau chez toi. Merci. Tous ces arbres-là, c'est vous qui les avez plantés? Il n'y avait rien et on a planté tout ça. Pourquoi c'était important de planter une forêt comestible justement ici? D'une part, on a besoin de restaurer l'écosystème, de remettre en place vraiment tout ce qui est biodiversité. En même temps, ça va empêcher l'érosion parce qu'on a vraiment une grande dégradation des sols, tu peux le voir là sur les crevasses. On a aussi besoin d'être autonome alimentairement et de créer des revenus pour les paysans aux alentours. Alors c'est quoi justement le projet? Qu'est-ce que tu veux faire sur tout cet ensemble de territoire? Alors le but, c'est de mettre en place une forêt comestible, c'est-à-dire qu'on a une forêt, mais avec plusieurs espèces d'arbres, donc des arbres fruitiers, justement qui vont servir après à produire donc des fruits qu'on pourra transformer et faire des confitures, des jus et tout ça. Après, on aura aussi des arbres autochtones, donc c'est pour la préservation des espèces malgaches qui vont servir à la pharmacopée. Donc l'important pour toi, c'est de regarder loin, c'est-à-dire sur le long terme en fait. À Madagascar, on est trop habitué à tout de suite, donc on essaie d'éduquer les gens justement à être autonome alimentairement, de produire ce que tu vas manger en fait, et après tout le surplus, tu vas pouvoir le vendre et créer des revenus pour toi. Je vois des enfants là ce matin, pourquoi ils sont là? Je fais l'éducation environnementale avec l'école. D'accord. Qui est juste à côté. Très tôt leur apprendre qu'on peut faire de la culture biologique, c'est mieux pour la santé, que ce soit pour la santé des sols et la santé des humains. Et justement leur expliquer l'intérêt justement de planter ce que tu vas manger. Tu me montres comment vous faites pour planter ces arbres-là? Alors on plante beaucoup de fruitiers et justement on va aller planter des bananiers aujourd'hui. Des bananiers? Exactement. On y va? On y va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et voilà des bananiers alors. Voilà, je te donne ton bananier. C'est mon bananier. Voilà. Waouh. Pour le planter là. Donc, d'accord, ils ont déjà préparé le trou. Donc alors, je mets mon bananier là. Après, tu remets un peu de compost. Naturel. Naturel, donc c'est fait à base de feuilles mortes, de foin et un peu d'engrais, de plantes vertes. Le bananier va être bien là. Un peu plus de terre, voilà. Un peu plus de terre, comme voilà. Ça. Et on va arroser. On va arroser. D'accord. Là, avec le bidon. Veut, voilà. Ah. Ouh, c'est lourd. Un peu lourd. C'est un peu lourd, ça va. Ça a soif, un bananier. Ouais. Encore? Ça retient beaucoup d'eau aussi, donc du coup... Ouais. Comme ça va pouvoir permettre de grandir assez vite. Si tu l'arroses comme ça tous les jours, en un mois, il peut atteindre 1,50 m de hauteur. Comme ça dans un mois. Voilà. D'accord. Et donc après, c'est mon bananier. Exactement. Donc il va pousser. Mais je t'enverrai des photos, comme ça tu pourras voir l'évolution de ton bananier. Oui. Puis on va pouvoir manger des bananes. Mais justement, tu reviendras pour pouvoir manger ton fruit. Ça, c'est sûr. Merci. Allez, salut bananier. Mon petit bananier pousse bien. Ah. Pourquoi c'est important pour toi de t'engager dans ce projet de permaculture qui est véritablement un projet écologique? Dans mon idée, c'était que je voulais laisser quelque chose d'important pour la génération future. Donc c'était une suite logique de pouvoir laisser donc cette forêt comestible à mes enfants. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse vivre sainement, puisqu'on a tout ce qu'il faut en fait, mais ce n'est pas bien exploité. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton pays, Madagascar? J'aime bien les paysages, justement, tout ce qu'on a là. Je suis à 15 km de la ville et pourtant je suis en pleine campagne. Où que tu ailles, en fait, tu as toujours un paysage différent du nord au sud. J'aime bien le fait que je puisse vivre dans un pays où on a pas mal de potentiel et pouvoir développer tout cela, en fait, c'est ça qui est très motivant pour le moment. Si tu avais un mot en français pour qualifier Madagascar, ce serait lequel? Ce serait magnifique, parce que Madagascar est magnifique. C'est vrai. C'est magnifique. Mais on a encore énormément de boulot en fait pour pouvoir faire ressortir ce côté-là de Madagascar. Mais c'est magnifique. Oui.
Voilà, j'espère que cette première étape de notre voyage à Madagascar vous a plu, car oui, le voyage continue. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de notre découverte de la francophonie sur la Grande-Île. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut !